a trempé notre plume dans notre envie de changer de vision, de prendre une route parallèle comme une furtive évasion. On a trempé notre plume et est-ce vraiment une hérésie de se dire qu'on l'assume et qu'on écrit de la poésie? Il existe, paraît-il, un instant dans l'écriture qui oublie la page blanche et efface les ratures. Un véritable état second, une espèce de transe qui apparaît mystérieusement et s'envole en silence. Que l'on rappe ou que l'on slame, on recherche ce moment. Il allume une flamme qui nous éclaire brièvement. Cette flamme est la preuve, laisse-moi t'en faire une démo, qu'il est possible de combattre le mal par les mots. C'est tout sauf une légende, on espère juste toucher l'instant, les quelques secondes du poète qui échappe à l'espace-temps, les moments rares et irréels que la quiétude inonde. Rouda n'oublie jamais notre parole du bout du monde. On ressent comme une coupure dans la nuit, comme un rêve. On oublie les coups durs de la vie, comme une trêve. C'est un phénomène puissant, je ne te parle pas d'inspiration, mais d'un souffle plus profond comme une seconde respiration. On voit et on entend l'encre devenir vivante. On goûte et on sent la saveur d'une rime errante. On touche du doigt l'instant qui nous enveloppe de sa puissance. C'est sans cesse la renaissance de l'essence même de nos cinq sens. C'est le moment où on passe de l'autre côté des paysages. On sympathise avec le vent et on tutoie les nuages. Il fait jour en pleine nuit et il fait nuit en plein jour. Profite de cet instant, il ne durera pas toujours. C'est tout sauf une légende, on espère juste toucher l'instant, les quelques secondes du poète qui échappe à l'espace-temps. Le moment où le voile se lève et la magie s'élance, là où j'ai croisé Souleymane au bout du sixième silence. Si on n'a pas atteint le nirvana, on doit en être au seuil. Pourtant je suis simplement assis là devant ma feuille. Peut-être que cet instant n'existe que dans mon esprit et que je suis complètement mythomane lorsque j'écris. Mais laisse-moi mon stylo, y a pas moyen que je m'arrête. J'ai une envie d'écrire comme t'as une envie de cigarette. Et pour m'enlever ce désir, je te demanderai de repasser. Car tant que je pourrai écrire, je continuerai de penser. Que c'est tout sauf une légende, on espère juste toucher l'instant, les quelques secondes du poète qui échappe à l'espace-temps. Les moments que l'on redécouvre, que l'on connaît plus ou moins. Tu l'as déjà touché, Jackie, j'en suis témoin. On a trempé notre plume dans notre envie de changer de vision, prendre une route parallèle comme une furtive évasion. On a trempé notre plume, et est-ce vraiment une hérésie de se dire qu'on l'assume et qu'on écrit de la poésie ?